finally stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Didi XOXO. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous tous, je suis en confinement et en général, quand je fais un tutoriel maquillage, c'est lorsque je suis sur le point de sortir. Donc, c'est deux pierres deux coups. Donc, je me maquille et après, je sors. Sauf que là, malheureusement, on est frappé par un virus qui littéralement ralentit le monde entier et fait qu'on est à la maison. J'espère pour vous que vous vous portez bien et c'est le plus important, la santé c'est le plus important. Donc restez à la maison et si vous n'avez rien à faire, bah, regardez ma vidéo et je vais vous montrer comment je vais utiliser la palette de NYX qui m'a gentiment été envoyée avec ce petit paquet, avec ce petit, cette petite pochette. Et aujourd'hui, on va tester la palette Matché Matché. Donc évidemment, je vais vous montrer comment je fais mon teint également. J'ai déjà plusieurs vidéos là-dessus, sauf que je vais tester un nouveau fond de teint. En fait, vous savez, quand vous allez vers Château d'Eau, Château Rouge, où on vend des extensions de cheveux, puis il y a toujours un petit coin avec du make-up, eh bien, j'ai trouvé une perle rare qui s'appelle Gladier. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Gladier et qui correspond à ma couleur de peau et que j'ai utilisé beaucoup avant le confinement, bien sûr. Et c'est ce que je vais utiliser comme fond de teint. J'aime généralement appliquer le fond de teint sur ma peau. Je sais que ce n'est pas la manière la plus hygiénique de le faire. Mais je vais quand même y aller. Et en même temps, je voulais parler de mon retour en France. Donc, pour celles qui sont nouvelles et qui ne me suivent pas depuis très longtemps, j'étais au Canada où j'ai passé 12 ans de ma vie. C'était une superbe expérience, une super belle opportunité. À la base, j'étais seulement allée pour les études. Ouh, ça a l'air un peu clair. Vous inquiétez pas, en passant, si vous avez un fond de teint qui ne correspond pas complètement à votre couleur de peau, il y a toujours moyen de réparer ça. Et avec l'oxydation du fond de teint, ça finit par donner quelque chose de correct. Vous voyez, juste là, en étirant, ça corrige déjà pas mal l'effet un peu clair que ça donnait il y a quelques secondes. Mais oui, donc j'ai passé 12 ans au Canada. J'étais partie pour étudier et finalement, j'y suis restée parce que j'ai commencé à travailler. Puis j'ai refait toute ma vie là-bas. Donc toute ma vie adulte, je l'ai vraiment passée là-bas. Et donc là, je suis de retour en France, à Paris. Et voilà, et pour ceux et celles qui sont affectés financièrement par le coronavirus, sachez que vous n'êtes pas les seuls. On est tous dans la même galère. J'étais supposée commencer un nouveau travail exactement juste avant qu'ils annoncent. Je me souviens, c'était le lundi 16. Le lundi 16 mars. Et finalement, là, je suis en attente à savoir quand est-ce que je vais réellement commencer. J'adore ce fond de teint. Vous voyez, voilà, c'est léger, mais en même temps, ça couvre les imperfections.
et c'est pas too much. Donc là, ce que je ferai d'habitude, c'est que j'appliquerai mon anti-cerne, mon cache-cerne, pour donner un effet à light. Désolée, je suis toujours obligée de faire cette face quand j'applique mon cache-cerne. Donc là, c'est make-up pour aller direction le salon. Hop. J'en applique aussi. Donc en même temps, c'est un tuto contouring. On applique sur mon menton. J'aime bien en appliquer aussi juste en dessous de là où je vais mettre mon contouring. Donc cette vidéo, c'est surtout pour passer en revue la palette NYX Matchy Matchy qui m'a été envoyée. Mais j'en profite en même temps pour vous donner un petit tuto fond de teint, highlight et contouring. Et donc oui, si je reprends mon histoire pour le Canada, je suis revenue il y a maintenant un an. Et je dirais que la plus grande différence que je remarque, c'est vraiment les gens en fait. La manière dont les gens vont se comporter, la manière, à Montréal, les gens vont plutôt avoir tendance à... Donc là, je vais utiliser mon Beauty Blender pour estomper. Les gens ont tendance à faire, ils vont faire la queue pour tout, pour prendre le bus, ils font la queue. Il y a vraiment, je pense que c'est la chose qui au début me choquait le plus en fait, de voir tout le monde en France courir pour entrer dans le bus alors qu'ils viennent d'arriver et que les personnes qui étaient là et qui ont attendu pendant 40 minutes que le bus arrive, ok. Bon, moi je suis pas du genre à me battre pour rentrer dans le bus. Fuck. So, c'est ça. Sinon, comment je vis le confinement? J'avoue que j'ai hâte qu'une solution soit trouvée. Mais on fait avec. Comme j'ai dit, tant qu'il y a la santé, je vais pas me plaindre. Donc j'aime vraiment appliquer... tapoter comme ça sur le cache-cerne pour d'une ne pas en avoir trop et vous voyez tout de suite la différence que ça fait. Hop. Et mon front, je highlight seulement cette section puisqu'après je vais appliquer mon contouring. Je contoure pas vraiment mon nez, je highlight pas vraiment mon nez tout le temps. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et le fait de mettre du highlight ici, ça va permettre d'allonger le visage. Si vous avez le visage rond, un peu comme moi. Mon rond n'est pas spécialement... Mon visage n'est pas spécialement rond. Mais voilà, il y a quelques kilos qui ont été pris. Le confinement n'aide pas non plus. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour vous occuper pendant le confinement. Hop. Et c'est ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, comme on dit, drama sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez la YouTubeuse Jayla Corian. C'est une Américaine. Et je me dis, mais c'est fou. C'est fou tout le drama qu'il peut y avoir alors qu'on vit une crise. Et qu'il y a des choses tellement plus importantes. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Finalement, je vais highlighter mon nez et le contourer. Changement d'avis. Mais je me dis, il y a des gens vraiment... voilà, les temps sont difficiles, il y a des gens qui meurent. Est-ce qu'on va vraiment se prendre la tête et faire des vidéos drama, 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 alors qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais le highlight que j'utilise, c'est de Tarte Double Duty Beauty. Voici.
Ne faites pas attention à mes ongles. C'est le confinement, donc pas vraiment. Pas de chichi ici. Et là, j'utilise le fond de teint de chez Sephora. Sauf que j'ai pris une couleur qui était beaucoup plus foncée pour l'utiliser comme contouring. Vous avez dû le voir et le revoir dans toutes mes vidéos. Et je l'applique dans le creux de mes joues, en dessous de mes joues. Je vais l'appliquer aussi sur le côté de mon nez. Et j'aime bien contourer en dessous pour affiner. Ensuite, évidemment, le front. Et j'aime bien contourer ici pour donner cet effet chic. Cet effet chic. Chill. C'est la technique professionnelle. Le terme professionnel utilisé par toutes les make-up artistes. Mais donc c'est ça, dans ces temps difficiles, je trouve que c'est un peu inapproprié de poster des vidéos qui sont pas là pour divertir les gens et qui sont là juste pour voilà, juste donner du drama. C'est pas spécialement mon truc, donc évidemment j'arrive pas trop à le cautionner, mais bon. Donc j'estompe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter. Mais surtout là où il y a la ligne de démarcation. C'est-à-dire que je vais descendre le contouring. Je vais pas aller vers le haut mais vers le bas. Ouh, ça fait depuis longtemps que je me suis pas vue avec du make-up. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pas encore fini mais je suis déjà contente. Ça fait longtemps. Très longtemps. Même chose. Et donc, oui, donc, pendant ces un an, je me suis réhabituée un peu à la culture française, qui est différente de la culture nord-américaine. Et voilà, c'est le plus important pour moi, c'est ma mère, de pouvoir être avec la famille. Et il n'y a rien, il n'y a pas de prix. Les parents ne seront pas toujours là, ma mère ne sera pas toujours là. Et je veux pouvoir profiter... des moments avec elle et c'est ça. Après, c'est pas forcément toujours facile de se réhabituer à... Enfin, de s'habituer tout court à une culture à laquelle on n'est plus trop habitué. Parce que je ne faisais qu'aller à l'école quand j'étais en France auparavant. J'ai quitté directement après le lycée. Dès que j'ai eu mon bac, boum! Je suis allée au Canada, à Montréal, plus spécifiquement. Et voilà. Donc là, mon teint est fait. Et je vais venir appliquer une poudre qui est translucide sur le reste de mon visage pour vraiment le setter. Seulement sur les zones de contouring. Et de fond de teint. Je bake pas mon maquillage tout le temps. Ça va vraiment dépendre. Et là, si je la trouve, je vais venir appliquer. D'habitude, j'applique toujours une petite poudre dans le dessous de mes yeux, sur le dessous de mes yeux. Sauf que là, je ne la vois pas. Donc, le dessous de mes yeux, je vais le laisser tel quel.
Et ce que j'aime beaucoup avec ce cache-cerne de tarte, c'est que il sèche quand même assez rapidement. Donc ça, c'est un plus. Et j'essaie toujours de veiller à ce que au niveau des lignes en dessous des yeux, que ce soit bien blendé. Blendé, que ce soit bien estompé. Et donc là, on va passer au moment décisif qui est de tester la palette, encore une fois, Matchy Matchy de NYX. Donc, je vais commencer par reprendre mon cache-cerne que je vais appliquer sur mes paupières. Je vais laisser sécher et pendant ce temps, je vais faire mes sourcils. Vais faire mes sourcils avec un crayon. J'ai plus, malheureusement, je n'ai plus de crayon Benefit. Normalement, ce que j'utiliserai, c'est mon crayon de chez Benefit, qui est génialissime. Qui s'appelle Precisely My Brow Pencil. Il est génialissime, c'est ça que j'utiliserai, mais je n'en ai plus et les magasins sont fermés. Donc je vais utiliser à la place un crayon que j'ai trouvé quelque part. Et le plus important, c'est vraiment que le bout soit pointu pour vraiment. J'essaie de me redresser pour que vous puissiez voir. C'est vraiment de d'avoir le plus de précision possible. Je commence toujours par donner une forme à mes sourcils. Et ensuite, je viens. Et je remplis. Comme ça. Et devant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme imiter en fait des poils. Et c'est ce que ça donne. C'est assez simple. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir parce que là on va travailler les yeux. Ah non, je peux pas zoomer. Ok. Petit problème technique. Mais je pense que vous voyez. Et je vais faire la même chose. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de mon café puisque c'est le matin. C'est un hasard que ma tasse soit. Une tasse de touriste canadienne que ma mère avait achetée quand elle était venue me visiter à Montréal. C'est peut-être ce qui m'a fait penser à vous parler de mon voyage à Montréal. Je suis quelqu'un qui aime voyager. J'ai pas vraiment eu l'opportunité de le faire depuis que je suis en France. Quand je vais à Montréal, j'allais souvent dans les pays de dans les Caraïbes. Je suis allée à Cuba. J'ai vécu pendant un an au Mexique également. C'était un échange universitaire qui était juste génial. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour le Mexique. Donc là, vous voyez, il est plus pointu, donc ça va m'empêcher d'avoir l'effet précision que je vais avoir. Donc je suis obligée de le retailler en fait. Et là, pareil, donc pour les sourcils, on fait le contour des sourcils et après on remplit. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça plutôt que de commencer et faire des bêtises. Et après en avant, comme si on dessinait des petits poils. Et voilà. J'avoue que celui-là a l'air un peu plus haut. L'autre,
Donc, les sourcils, comme on dit, ce sont des sœurs et non pas des jumelles. Donc, elles seront jamais parfaitement identiques. Mais là, je suis contente du rendu. Donc là, mon cache-cerne est sec. Il devrait avoir séché suffisamment. Je vais venir couvrir la totalité de ma paupière avec. Pareil pour celui-là. Et je vais rajouter un peu de cache-cerne parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez pour vraiment donner cet effet que je cherche. Nous, on a déjà une bonne base. Donc c'est ça. Donc à part mon retour en France, j'ai pas grand-chose de nouveau. J'ai eu de très bonnes nouvelles d'amis à Montréal qui se sont soit fiancés ou qui ont accouché ou étaient enceintes et ont maintenant accouché, ce qui est juste génial. Et voilà que je prie que Dieu continue de les bénir, les protège pendant cette saison. J'ai une amie qui, elle, a accouché pendant le coronavirus, qui a accouché la semaine dernière, donc pendant le coronavirus. Donc c'est pas facile, mais ça lui permet aussi de rester à la maison et de toute façon, il faut qu'elle récupère. Hop. Donc là, c'est ce que j'ai. En fait, mon but, c'est vraiment d'avoir une base homogène. Et je vais utiliser le reste pour définir le dessus un peu plus. Donc en même temps, c'est un tuto pour les sourcils. Parce que comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, je n'en ai pas. Beaucoup. Ensuite, je vais utiliser également ce qui m'avait été envoyé. Alors la base, la base de fard à paupières de chez NYX également qu'ils m'ont envoyé. Pour ceux qui ne le savent pas, NYX fait partie du groupe L'Oréal. Et c'est vraiment cool de voir bah, la qualité du make-up qu'ils peuvent avoir compte tenu du prix auquel le produit est vendu. Donc j'ai appliqué ça ici. Et hop, j'applique seulement là où je sais que je vais mettre du fard à paupières. Et donc je vais en remettre. Ça a l'air un peu caca, mais on va bien estomper ça avec les doigts juste après. Hop. Donc je vais venir tapoter pour enlever le surplus. Comme ça.
Même chose sur cet œil. Et donc, oui, je disais qu'il y avait pas mal de drama sur le net entre Jellakorian, Missy Lynn, si vous connaissez, et les Bally Twins. Ce qui est assez dommage, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Je pense que les gens, quand ils vont sur YouTube, en tout cas moi, quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder des tutos, voir quelque chose qui me permette de m'évader un peu. Et pas voir des bêtises alors qu'il y a des gens qui sont. Littéralement en train de mourir et de se battre pour leur vie en fait, et qui prient pour la guérison de leur bien-aimé. J'essaie de juste réajuster mon éclairage. J'espère que c'est un peu mieux. Voilà. Donc, on va attaquer avec la palette. Si j'arrive à l'ouvrir. Et encore une fois, dites-moi en fait ce que vous désirez voir sur ma chaîne. Des choses que vous avez vues, que vous aimeriez bien voir sur moi. Des palettes, des produits que vous aimeriez peut-être acheter, que vous aimeriez que je teste avant. Je suis là pour ça, je prends vraiment plaisir à filmer, c'est vraiment thérapeutique pour moi. Donc voici la palette. C'est comme ça qu'elle se présente, il y a de superbes couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cette couleur-ci, qui va pas beaucoup se voir, mais qui va me servir de couleur de transition, de première couleur de transition. Donc je vais prendre mon pinceau qui a déjà été utilisé. Donc je vais utiliser le nettoyant de pinceau Sephora. Comme ça. Et l'essuyer sur un mouchoir. Hop. Et ça va déjà beaucoup mieux. Donc très important de nettoyer vos pinceaux et d'utiliser quelque chose de désinfectant. Parce que sinon, l'acné, les boutons vont apparaître et c'est juste pas cool. J'ai une vidéo par rapport à ma routine soin de la peau que j'ai faite. Il y avait un bout mais que j'avais jamais posté. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il fallait l'éditer et ça m'avait saoulé. Je sais pas trop. Bref. Donc je vais nettoyer ce pinceau également. C'est vraiment du freestyle. J'avais pas du tout prévu de filmer. Mais il n'y a rien à faire. Donc pourquoi pas filmer une vidéo YouTube? Je vais sûrement couper certains bouts qui sont pas utiles. Mais c'est ça. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. Quel type de vidéo vous avez envie de voir. Je sais que moi, par exemple. En revenant en France, j'ai eu des dates. Je suis sortie avec un garçon également, enfin avec un gars. J'avais tellement de. Donc là, j'utilise cette couleur-ci. Et j'ai sûrement la mélanger avec celle-là. Donc c'est ça, je sortais avec un garçon. Et finalement, juste de me réhabituer à vivre en France, je me rendais compte que. J'étais juste pas prête. Et je sais pas si c'est le cas pour certaines d'entre vous. Mais il y a des moments où on n'est juste pas prête à être dans une relation et ça sert à rien du tout de se forcer. Juste parce que l'âge avance et qu'on se dit non, il faut que je trouve quelqu'un. Voilà, ça ne me dérangerait pas de rencontrer la bonne personne. Mais vraiment la bonne personne, quoi. J'ai plus le temps de perdre mon temps. Et justement, il y a beaucoup de drama qui se passe sur le net, mais dans la vie aussi, hein. Des relations qui auraient jamais dû commencer parce que l'un n'est pas prêt ou les deux ne sont pas prêts à être dans une relation où
Les deux sont vraiment engagés. Et c'est ça. Donc j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Je pensais qu'elle se verrait pas trop, mais finalement pas du tout. Non seulement elle se voit, mais elle est magnifique. Donc niveau pigmentation, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la couleur de transition. Ensuite, je vais aller avec... Je vais faire simple aujourd'hui. Je vais aller avec cette couleur-ci sur la paupière. Et ensuite, je vais utiliser celle-là pour définir... le creux de mon œil. Oui, c'est ça. Donc du coup, voilà, si on n'est pas prêt, ça sert à rien de faire perdre le temps aux gens et de perdre son temps aussi, alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus productives. Beaucoup, beaucoup plus productives. Comme faire des vidéos YouTube. Mais non, plus sérieusement, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. J'avoue que ça faisait depuis un bout que je n'avais pas été célibataire. Et je suis allée en fait de relation en relation, back to back, l'une après l'autre. Et il n'y a aucun bénéfice parce que tant que je ne suis pas prête, et quand je parle d'être prête, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être ben, dans quel pays je vais vivre. Je me pose des questions, je sais que je ne vais pas vivre pour toujours à Montréal. Quel est l'intérêt de commencer une relation en fait? Et ça, j'ai dû l'apprendre à la dure, mais effectivement, quand je suis partie et j'ai quitté Montréal, j'ai dû quitter une relation. Parce que la personne, évidemment, n'était pas prête à quitter toute sa vie, alors que ça faisait depuis pas longtemps qu'on sortait ensemble, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois jusqu'ici. Et là, donc, je vais utiliser cette couleur-ci. Donc, cette palette est super simple. On utilise ça comme couleur de transition. On applique celle-ci sur la totalité du bas de la paupière. Et ça, dans le creux. Donc, ça va être un tuto super facile à recréer. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer la palette Matchy Matchy. Donc, on fait attention. Cette palette est super pigmentée. Et là, ce que je vais faire, c'est mon V. Hop là. Magnifique. Je vais réappliquer juste un tout petit peu dans le coin externe de l'œil. Et je vais utiliser mon pinceau que j'avais utilisé pour la couleur de transition pour venir estomper. Très important de toujours estomper. Et je vais même venir en rajouter un petit peu. Hop. Et voilà.
Venir estomper ici aussi. Et je vais faire la même chose pour l'autre œil. J'aime beaucoup l'effet dégradé que ça donne. C'est très naturel. Je vais venir estomper encore un peu plus. Donc même chose pour l'autre œil. Toujours en V. J'aime bien commencer ici. Juste pour voir ce que ça donne en termes de pigmentation. La pigmentation est juste super. Et je viens creuser. Voilà. Je vais venir en rajouter un petit peu ici. Essayer de recréer la même chose pour que ce soit identique. Donc ça fait un peu en effet wing liner. En vrai, c'est encore mieux. J'espère que sur la vidéo, vous pouvez voir l'effet. Et je reviens estomper. Voilà. Et on vient estomper, estomper, estomper. Je sais ce que vous obteniez, ce que vous voulez. Je veux pas quelque chose de trop voyant en général. Mais là, vu que je ne vais nulle part, on s'en fout. Et voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à appliquer mon eyeliner. Mon eyeliner préféré en ce moment, c'est celui de NYX. Il y a également celui de Huda Beauty que j'utilise, qui est vraiment top. Mais pour l'enlever, c'est une galère parce que c'est waterproof. Ça, je confirme que ça va rester toute la journée. Sauf que là, je reste à la maison. Et juste après cette vidéo, je vais enlever mon maquillage. Donc je vais utiliser, je sais pas si je vous l'ai montré, le eyeliner de NYX qui s'appelle Matte Liquid Liner. Donc pour mettre mon eyeliner, j'aime toujours commencer par la pointe et après je viens remplir. Je veux vraiment pas quelque chose de trop épais. Juste un petit eyeliner. Comme ça. Donc là, je vais faire le contraire, je vais commencer par appliquer le liner sur ma paupière. Et maintenant, je vais venir tracer ma ligne.
Dépendamment de l'œil, la technique va être différente. Voilà. Oh, caca. Donc là, j'ai complètement raté mon liner. C'est pour ça que, en général, je le fais pas. Je ne le fais pas.